Bonjour à tous, c'est l'Éradicateur qui vous parle. Je suis de retour de vacances enfin. Et Star Citizen Nova 3.20 est en phase PTU. Nous sommes en vague 2 maintenant. Donc ce n'est plus uniquement accessible aux gens qui payent ou qui ont dépensé 25 000 $. Et donc aujourd'hui nous allons tester le nouveau vaisseau de cette mise à jour Alpha 3.20, le Hull C. N'oubliez pas de fermer la porte lorsque vous entrez depuis un port comme celui-ci, tout simplement parce que n'importe qui peut vous suivre et c'est risque de vous embêter. Par exemple, si vous êtes au milieu de nulle part, quelqu'un peut tout simplement vous tuer et prendre contrôle de votre vaisseau. Si vous avez des centaines de milliers d'Alpha USC de cargo sur votre vaisseau, cela risque de vous poser certains problèmes. On va donc visiter le vaisseau tout d'abord et on va monter sur le pont supérieur. En tournant à droite, ici, alors vous avez un poste de commande pour le rayon tracteur du vaisseau. Ce sera utile à l'avenir, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup d'utilité, tout simplement parce qu'il n'y a pas de rayon tracteur sur les vaisseaux. Ensuite, on va ouvrir cette petite porte qui va nous montrer les quartiers d'habitation du vaisseau, avec une petite kitchenette, une table pour manger, ainsi que 4 lits qui seront très utiles et une salle de bain dont vous venez voir la porte qui venait de se fermer. On va redescendre donc ici au pont inférieur qui est le pont principal du vaisseau avec ici 4 capsules de sauvetage que l'on a pu voir. Et ensuite on va ouvrir ces portières pour pouvoir aller au tunnel qui se trouve sur la partie, sur la membrane du vaisseau qui peut s'étendre lorsque vous avez les conteneurs sur votre vaisseau. Mais il n'y a pas grand chose d'intéressant ici si ce n'est peut-être qu'une trappe pour sortir du vaisseau. Ensuite le poste de pilotage très classique pour un vaisseau MISC. Vous seriez peut-être familier avec ce poste de pilotage si vous avez par exemple piloté un Starfarer. On va donc se mettre ici au poste de commande et démarrer le vaisseau. Alors malheureusement c'est vrai qu'en phase de PTU pas mal d'erreurs, 30 000. On va donc appeler la station après avoir redémarré le jeu et en appelant la station, le bras de la station ici va s'en aller et on va pouvoir quitter la station sur laquelle on est amarré, le bras d'amarrage. Voilà, c'est ça. Donc ensuite on va partir et on va faire ce qu'il ne faut pas faire. Ça fait partie de ce test, hein, de cet essai du Hull C également. Je veux vous montrer quelque chose qui, pour moi, n'a pas été très clair lors des épisodes d'InStyle Star Citizen. Quelque chose que je n'avais pas compris. Et donc, je vais vous montrer ça en image. Je vais me rendre donc vers un avant-poste. Ici, un avant-poste proche de la station Séraphine. C'est Arcop 141 sur Daymar. Et on va tenter d'acheter des marchandises et vous allez voir que ça ne marche pas. Alors autre chose que j'ai pu constater ici, c'est que le Hull C n'est vraiment pas maniable du tout en atmosphère, notamment ces réacteurs latéraux qui ne fonctionnent pas très bien et c'est vrai que c'est assez ennuyant si vous tentez vous poser. J'ai évidemment constaté quelques problèmes au niveau du son dans cette phase PTU comme vous pouvez l'entendre. A noter qu'il y a aussi un ascenseur si jamais un jour vous rentrez dans votre Hull C, que votre Hull C est atterri comme ici, ça risque d'être pratique. Donc ensuite on va aller tenter d'acheter des marchandises et comme vous pouvez le voir bientôt ici, voilà, ça ne marche pas. Ils nous disent que le véhicule doit être transporté vers un pont de chargement de cargo, un pont de fret, pour pouvoir ensuite compléter la transaction. Donc c'est ce qu'on va faire après une autre Errant 30 000. D'ailleurs, il me semblerait que la blouse médicale est changée, elle est blanche maintenant. Donc on va se rendre à l'administration ici, à l'administrateur de la station dans laquelle on se trouve ici, et on va acheter nos marchandises. C'est ici qu'il faut le faire à bord de la station. Donc on va sélectionner le Hull C. Et là, surprise, de nouvelles marchandises sont disponibles, notamment de l'hélium, de l'hydrogène et du cuivre. Quelque chose qui n'était pas possible de faire avant. Avant, il y avait uniquement de la ferraille et des déchets. Et c'est assez intéressant de voir que donc il y a des possibilités de s'adonner au commerce ici si vous possédez un Hull C. Mais probablement si vous avez aussi d'autres vaisseaux comme par exemple un C2 Hercule. Donc on va pouvoir acheter tout ça pour pratiquement 1 million d'Alpha USC. C'est vrai que c'est beaucoup d'argent quand même, mais c'est pas étonnant étant donné qu'on a pratiquement plus de 4000 unités standards de cargo sur le dos de notre vaisseau. Mais pas tout de suite, comme vous allez le voir ici, l'interface nous indique qu'il va falloir ensuite sortir et charger tout cela sur notre vaisseau. Alors, surprise ici, il n'y a pas de bras
d'attache. On va démarrer dans un hangar. Donc c'était bien de savoir qu'il y avait en effet un ascenseur. Et donc, on va sortir de la station pour se rendre dans l'aire de chargement qui sera symbolisée par un espèce de cube lumineux que l'on trouvera un peu plus tard. Mais avant de faire ça, il faut bien sûr ouvrir le vaisseau pour pouvoir faire en sorte que les bras de cargo ici, les bras de, oui, c'est ça, les bras de chargement soient déployés. Donc ensuite, on va appeler le pont de chargement ici. Voilà. Alors, il y a quelques petits problèmes également d'interférence entre les différents les différentes unités ici, les différentes fonctions de la station. J'espère que ça sera résolu dans une prochaine mise à jour. Et donc, vous avez pu voir peut-être ici le cube de chargement, cette aire ici, symbolisée par ce cube lumineux. Il va falloir donc aller dedans et ne pas se mettre à l'envers. Alors, je pense que c'est peut-être cette petite flèche ici qui nous indique comment se positionner. J'avoue que personnellement, je n'ai pas très bien compris. Je pense qu'il faut se mettre de l'autre côté peut-être. Enfin, je vais tenter de retourner le vaisseau pour pouvoir voir si ça marche. Donc, une fois que vous êtes à l'intérieur, il y aura une jauge qui vous indiquera le temps qu'il reste pour pouvoir tout charger sur ce cargo. C'est fait de façon automatique, mais ce n'est pas instantané, de façon à simuler les futurs drones qui serviront à l'avenir à mettre tous les conteneurs sur votre vaisseau de façon physique. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas encore implémenté dans le jeu. Donc vous voyez cette jauge ici qui est pour l'instant, cette jauge qui est pour l'instant vide, mais au fur et à mesure que vous attendez, elle va finir par se remplir. Alors ça va durer pas mal de temps, un peu plus de 5 minutes, et là elle est presque finie ici, et hop, voilà, ça y est, la jauge est remplie. Vous allez donc pouvoir partir, tout simplement parce que tous les conteneurs ont été entreposés sur votre vaisseau, comme vous pouvez le voir sur ces images. Alors, où allons-nous aller ? Eh bien, on va donc aller sur une autre station ici. On va quitter la planète Crusader. Et il y a d'autres choix. Vous pouvez vous rendre sur des stations autour de Hurston ou Microtech. Mais personnellement, je vais aller à Arcop, tout simplement, pour changer un petit peu. C'est vrai que je vais souvent sur Microtech ou Hurston et pas suffisamment sur Arcop. Donc, pourquoi pas ? Ici, on va aller à Bajani Point ici. Et donc, on va s'amarrer à la station comme ici. Alors le processus d'amarrage est quand même assez fastidieux, hein. C'était assez difficile. J'ai perdu pas mal de temps, tout simplement parce que c'était la première fois que j'utilisais cette fonction dans le jeu. C'est vrai que si vous n'avez pas un 890 jump, c'est peut-être la première fois que vous utiliserez cette fonction. Ensuite, en arrivant à la station, eh ben, il va falloir aller à l'administrateur pour vendre tout ce que vous avez ici. Donc ici l'hélium qu'on va revendre pour un petit profit de 100 000 Alpha USC. Voilà, on va cliquer sur confirmer. Voilà, c'est fait. Et ensuite, le cuivre que l'on va également vendre pour un profit d'environ 100 000 Alpha USC. Alors, on va cliquer sur le cuivre ici. Hop, voilà, maximum, on vend. Et donc, pour une somme d'un tout petit peu moins d'un million Alpha USC, j'ai fait un profit d'un petit peu plus de 200 000 Alpha USC. Ça fait environ, grosso modo, 20%, ce qui correspond à la moyenne du commerce que l'on fait en général, avec, par exemple, n'importe quel autre vaisseau, en allant d'un avant-poste vers un autre avant-poste. Mais je n'ai pas encore reçu l'argent sur mon compte. Pour cela, il faut se rendre à nouveau à l'extérieur, rappeler la station, se rendre dans le cube lumineux ici, pour que la station puisse décharger vos conteneurs. Malheureusement, le serveur sur lequel je me suis trouvé était en fin de vie, et ça n'a pas marché, donc on va espérer qu'à l'avenir les serveurs marchent un petit peu mieux, ou que du moins que les développeurs réussissent à optimiser la façon dont les serveurs marchent pour que ce processus puisse marcher de façon plus sereine. Allez, c'est donc tout pour aujourd'hui, en espérant que cette vidéo fut instructive et qu'elle vous ait appris la façon dont on puisse jouer à Star Citizen avec un ULC. Ce fut un plaisir de revenir vers vous faire des vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu en français. Bien entendu, vous allez avoir pas mal de vidéos Starfield, donc attendez-vous à du contenu Starfield avec la sortie du jeu qui devrait sortir donc du coup demain. Allez, ce fut l'Eradicateur, passez une bonne journée. Salut à tous.